N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne, les gars, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Comment échanger des cartes sur Monopoly Go? Donc, premièrement, ce que tu dois faire ici, c'est te connecter normalement à ton compte Monopoly Go. Donc, lorsque tu te seras connecté, ce que tu vas faire, c'est aller dans Album. Mais avant de venir ici, si tu ne parviens pas à accéder à Album, c'est parce que tu n'as pas encore atteint une valeur nette de 15. Ok? Donc, pour avoir une valeur nette de 15, ce que tu vas faire, c'est construire des immeubles. Pour pouvoir construire des immeubles, déjà, c'est très simple. En bas de l'écran, sur le côté gauche, tu vas voir là, construire. Donc, ce que tu vas faire, c'est construire des immeubles progressivement. Donc là, par exemple, je vais construire un immeuble de 2400. Ok? Je vais prendre cet immeuble ici et construire. Et là, tu vas voir ma valeur nette sera augmentée à 16. Maintenant, j'ai donc une valeur nette de 16. Donc, pour pouvoir construire des immeubles, il va falloir que tu aies déjà de l'argent, et quand tu vas construire des immeubles, ta valeur nette va augmenter. Donc lorsque tu vas avoir une valeur nette d'au moins 15, ce que tu vas faire, c'est aller directement dans l'album. Ok, donc là je peux échanger des cartes. Ok, donc je vais peut-être prendre la carte prédité, et là tu peux voir personne intéressé par cette carte ici. Donc si je veux échanger cette carte, il faut déjà au préalable que quelqu'un soit intéressé. Donc si je prends par exemple montagne dorée, là tu peux voir, je peux échanger cela contre faire un tour. Ok, donc là je peux aussi échanger contre cambrioleur, la queue de la peau, etc. Donc si je tape sur cambrioleur, je vais pouvoir donc échanger ma carte. Donc c'est ainsi que tu vas pouvoir procéder pour échanger des cartes sur Monopoly Go. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne, les gars, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.